Bonjour, je suis Denis Bunner, je suis adjoint chef de cave chez Champagne Bollinger. J'ai rejoint la maison en 2013 et je suis ravi aujourd'hui de vous parler du dégorgement. Alors le dégorgement, c'est la dernière étape d'élaboration du champagne. C'est une des grandes particularités du champagne puisque contrairement au vin tranquille, en champagne, on réalise une prise de mousse pour créer l'effervescence. Grâce à une fermentation en bouteille qui est réalisée par des levures. Et ces levures, en fait, après avoir réalisé la prise de mousse, sédimentent dans la bouteille et vont vieillir avec le vin pendant plusieurs années dans le cas de nos millésimes. Et suite à cette phase de vieillissement, en fait, on va réaliser le remuage qui consiste à amener les dépôts de levures qui ont sédimenté dans la bouteille dans le col. Et on va placer les bouteilles sur pointe, c'est-à-dire la tête à l'envers. Et on va ensuite, au dégorgement, chercher à se débarrasser des levures. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on va congeler le col de la bouteille dans un bac à glace. Et le glaçon va emprisonner les levures au niveau du col. Et ensuite, on va remettre les bouteilles à l'endroit, on va ouvrir la bouteille. On le fait soit mécaniquement, soit manuellement, c'est toujours le même principe. On va retirer la capsule ou le bouchon et sous l'effet de la pression, puisqu'une bouteille de champagne, c'est 6 bars de pression à 10 degrés, le dépôt va être expulsé avec le glaçon. Voilà. Et c'est ça, à proprement parler, le dégorgement.